Alors, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est comment on navigue dans Illustrator. Donc, vous avez la touche Alt et la roulette de la souris. Vous arrivez à faire un zoom avant-arrière avec Alt-Roulette? Ok. Super qu'on vous a mis des nouvelles souris, parce que quand la roulette ne marche pas, c'est pas génial. Mais c'est des nouvelles souris. Alt-Roulette. Sinon, il y a des raccourcis. Quand la roulette de la souris n'existe pas ou ne marche pas, il y a des raccourcis qui existent pour zoomer en avant, en arrière. Une fois que vous avez zoomé en arrière, ça va être plus facile d'amener le chat, enfin votre image, à la bonne dimension sur votre plan de travail là. Voilà. Sinon, les autres manières de faire pour naviguer dans un document. Si vous êtes en zoom avant, vous avez la barre d'espacement, ce qui est le raccourci de la main qui vous permet de bouger. La barre d'espacement. Si vous êtes totalement paumé, vous ne savez plus où est votre document, vous pouvez double-cliquer sur l'icône de la main dans la palette des outils. Voilà, ça vous le ramène en grand sur l'écran.